Salut à toi, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te présenter 5 méthodes pour pouvoir gagner des crypto-monnaies sur Internet et te faire donc de l'argent. Dans cette vidéo, je vais te définir ce que c'est qu'une crypto-monnaie. Si tu ne sais pas, on va faire un bref aperçu de ce que c'est qu'une crypto-monnaie. Ensuite, je vais te montrer les différentes façons, les différentes méthodes qu'on peut donc utiliser pour pouvoir gagner des crypto-monnaies et se faire de l'argent sur Internet. Comment on peut gagner de l'argent avec les crypto-monnaies, autrement dit, c'est ce que je vais te montrer. Et dans cette vidéo, j'ai mis également en description de cette vidéo un lien pour rejoindre le canal, c'est-à-dire mon groupe crypto-monnaie sur Telegram où je parle de crypto-monnaie. Rejoignez-nous dans le groupe, rejoignez également le groupe Telegram de la chaîne pour qu'on puisse discuter. Alors, si tu es nouveau sur ma chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. N'hésite pas à liker cette vidéo et à la partager au maximum. Top, c'est parti. Pour commencer, nous allons voir ce que c'est qu'une crypto-monnaie. C'est quoi une crypto-monnaie? Bon, nous allons rapidement venir là-dessus. Je suis allé sur un site qu'on appelle Futura Science. Donc là, la crypto-monnaie, c'est une devise numérique décentralisée qui utilise des algorithmes cryptographiques nommés blockchain, d'accord, pour assurer la fiabilité et la traçabilité des transactions. Donc, les crypto-monnaies sont en fait des monnaies virtuelles, des monnaies qu'on ne voit pas, et ce n'est pas contrôlé par une banque. C'est pas comme, par exemple, le dollar, ou bien le franc CFA, ou bien l'euro, qui sont en fait contrôlés par des banques. Donc, les crypto-monnaies sont des monnaies virtuelles qu'on peut échanger d'un individu à un autre sans passer par une banque et qui ne sont pas sous le contrôle d'une banque, comme je l'ai dit. Donc, aucune banque ne contrôle une crypto-monnaie. C'est tout ce qui fait qu'elles sont plus faciles, donc, à transférer et à utiliser aujourd'hui pour pouvoir faire des achats. Et l'autre chose qu'il faut savoir, c'est que les crypto-monnaies sont vraiment très intéressantes parce que leur valeur augmente avec le temps, comme ça peut aussi diminuer. Donc, c'est des monnaies dont les valeurs fluctuent. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et c'est tout ce qui fait que c'est intéressant. Rappelez-vous que la première crypto-monnaie, si vous n'êtes pas encore, vous n'êtes pas encore informé, la première crypto-monnaie au monde s'appelle le Bitcoin. Et actuellement, sa valeur est autour des 57 000 dollars. C'est vraiment très, très intéressant. Nous allons donc voir comment vous pouvez donc obtenir des crypto-monnaies. Comment vous pouvez gagner des crypto-monnaies. La première méthode pour pouvoir gagner des crypto-monnaies gratuitement sur Internet, c'est de faire ce qu'on appelle le minage des crypto-monnaies. Alors, vous avez deux façons de faire du minage. Soit vous faites ce qu'on appelle le cloud mining, c'est-à-dire le minage hors ligne, c'est-à-dire même si vous n'êtes pas en ligne, vous n'êtes pas connecté à votre ordinateur, l'ordinateur va miner. Alors, déjà, c'est quoi le minage? Le minage consiste à l'aide du matériel informatique à enregistrer des transactions sur une blockchain en les rendant immuables. Autrement dit, le minage, c'est le fait d'utiliser votre ordinateur, d'accord, la puissance de calcul de votre ordinateur pour effectuer des calculs au niveau de la blockchain. Parce que quand on parle de bit, quand on parle de crypto-monnaie, on parle de blockchain parce que toutes les transactions qui s'effectuent au niveau de la monnaie en question, si c'est le Bitcoin par exemple, toutes les transactions sont enregistrées dans une chaîne de blocs qu'on appelle la blockchain. Donc, c'est des ordinateurs qui font les calculs et qui valident les transactions. Donc, la transaction n'est pas validée par une seule personne. C'est tous les ordinateurs qui sont connectés qui approuvent la transaction. Donc, les ordinateurs qui sont les plus rapides à approuver la transaction, on les rémunère, on les paye quelque chose, on les donne donc des tokens à ces individus-là qui ont ces ordinateurs connectés. Et c'est ça qu'on appelle le minage. Donc, si votre ordinateur arrive à résoudre donc des calculs ou bien un réseau d'ordinateurs résout des calculs, donc ce réseau d'ordinateurs-là est rémunéré en crypto-monnaie, en des tokens, et ces tokens-là sont redistribués à tout le réseau. C'est ce qu'on appelle le minage. Donc, plus votre ordinateur a de capacité, est plus rapide, a un processeur plus rapide, donc plus vous allez gagner donc des crypto-monnaies avec le minage. Donc, ça, c'est si vous faites du minage en ligne. C'est-à-dire que si vous utilisez la puissance de votre ordinateur pour calculer pour faire des calculs de transactions, pour approuver des transactions. Là, c'est si vous êtes connecté. Maintenant, il y a aussi le cloud mining. C'est-à-dire que là, vous n'êtes pas connecté, mais votre ordinateur est connecté à la plateforme et la plateforme vous fait directement le minage pour vous. Donc, il y a plusieurs sites de minage. Et là, je vais vous montrer une première crypto-monnaie que vous pourrez miner. C'est le Bitcoin. Et l'une des applications qui permet de miner du Bitcoin aujourd'hui, c'est CryptoTab. Je crois que c'est la première application qui permet de faire du minage de crypto-monnaie et qui mine le Bitcoin au monde. Donc, si vous avez envie de tester le minage de Bitcoin, alors je vous recommande cette application. J'ai laissé le lien de l'application en description de cette vidéo. Donc, vous allez voir directement. Je rappelle que ça va utiliser votre connexion et ça va utiliser aussi la puissance du processeur de votre ordinateur ou de votre portable. Donc, si vous n'avez pas un appareil
qui pue, ce qui puisse tenir, je vous déconseille de ne pas vous lancer dans ce type de minage-là parce que ça va user un peu votre appareil, mais en retour, vous allez gagner des crypto-monnaies, des tokens que vous allez pouvoir retirer. Je vous montre par exemple, vous pouvez le voir ici, je suis en train de miner du Bitcoin, j'ai arrêté d'avoir le minage pour pouvoir vous montrer. Donc du Bitcoin avec l'application CryptoTab. Donc si vous avez aussi envie de faire du minage de Bitcoin et rejoindre mon réseau, regardez en description de cette vidéo, cliquez sur le lien, téléchargez l'application, installez-vous, c'est très simple. Et tant que vous êtes en ligne, c'est-à-dire que tant que votre connexion est allumée, vous lancez le minage, même si c'est sur votre portable, ça peut le faire. Donc, lancez-vous, lancez le minage et vous pouvez retirer à un moment donné, dès que vous aurez envie, vous voyez, il y a le bouton retirer votre Bitcoin qui est là. Voilà donc comment vous pouvez faire. L'autre chose, vous pouvez aussi miner une deuxième crypto-monnaie que je vais vous montrer, qu'on appelle en fait le Pi, d'accord? Qu'on appelle le Pi. Et comme je vous l'ai dit, et le Pi, par exemple, c'est une crypto-monnaie qui est dans sa deuxième phase de test et on est en train de distribuer gratuitement et donc cette crypto-monnaie-là. Donc, plus vous allez plus vite vous inscrire, vous lancer dans cette, pour cette crypto-monnaie, plus vite vous allez en accumuler plusieurs. Donc, inscrivez-vous, regardez en description de cette vidéo. J'ai laissé le lien pour pouvoir rejoindre, pour pouvoir télécharger l'application pour lancer le minage du Pi. Lui, contrairement au CryptoTab, c'est un minage qui ne consomme pas votre connexion, qui n'use pas votre appareil. Donc, vous n'avez du tout pas besoin d'un appareil puissant pour pouvoir faire ce minage-là. D'accord? Et vous n'avez pas du tout besoin que votre connexion soit allumée. Il suffit juste que chaque jour, vous venez sur l'application, d'accord? Et que vous lancez directement le minage. Et puis, lui, il va simplement se charger de lancer le minage pour vous. Alors, pour le faire, pour pouvoir démarrer le minage, vous allez donc sur l'App Store ou bien sur Play Store. Et puis, vous allez télécharger l'application Pi Network. Comme vous le voyez ici, moi, il est déjà téléchargé, je l'ai installé sur mon portable, sur mon Android. Donc, vous téléchargez l'application et pour pouvoir l'utiliser, vous allez vous inscrire, enregistrer vos informations une fois que vous téléchargez l'application. Et ils vont vous demander de mettre le code de celui qui vous a invité. Je rappelle que sans ce code, vous n'allez pas pouvoir miner du Pi sur cette plateforme. Je rappelle que le Pi n'est pas encore sur les marketplaces, sur les sites de crypto-monnaie, parce que c'est une crypto-monnaie qui va être lancée d'ici la fin de l'année. D'accord? Donc, c'est le moment de récupérer plusieurs tokens de cette crypto-monnaie que vous allez pouvoir utiliser plus tard. Donc, je vous laisse le lien en description et voici le code que vous allez mettre. Si vous ne mettez pas ce code-là, c'est-à-dire que si vous ne mettez pas ce pseudo-là, vous n'allez pas pouvoir en fait profiter de la crypto-option. Donc, mettez en fait ce code de parrainage que vous voyez à l'écran pour pouvoir vous inscrire au niveau, une fois que vous avez téléchargé l'application Pi, pour pouvoir lancer le minage. Et c'est chaque jour. Donc, chaque jour, vous venez juste cliquer sur l'application, ouvrir l'application et lancer. Et ça fait encore demain. Donc, vous n'avez pas besoin que votre portable soit connecté pour pouvoir miner donc du Pi. Et c'est très important. Et vous pouvez aussi partager votre lien pour pouvoir accumuler plusieurs Pi. Et dès que la crypto-monnaie sera lancée, vous allez voir que vous allez donc posséder plusieurs tokens de cette crypto-monnaie. L'application est déjà dotée jusqu'à 4,5 étoiles sur Play Store. Donc, c'est vraiment du très, très important. Alors, donc, je vous invite à vous lancer massivement pour qu'on puisse accumuler autant de Pi avant que la crypto-monnaie ne soit lancée. La deuxième façon pour pouvoir donc gagner des crypto-monnaies, je vais vous la montrer, c'est de faire donc du staking. Alors, c'est quoi le staking? C'est tout simplement le fait de laisser en fait une partie de son argent, d'accord, de le mettre au niveau d'une plateforme de crypto-monnaie pour que la plateforme puisse l'utiliser, d'accord, de mettre ça comme une garantie au niveau d'une plateforme pour que la plateforme puisse l'utiliser pour les opérations, d'accord, du réseau de blockchain. Et là, au bout d'un certain temps, en fait, vous allez être rémunéré, c'est-à-dire vous allez recevoir des récompenses pour avoir laissé votre crypto-monnaie pour l'utilisation, pour l'alimentation de la blockchain. C'est une façon et c'est très intéressant de gagner de l'argent avec le staking. Ça se fait déjà sur Binance. Sur Binance, vous pouvez faire du staking et il y a aussi d'autres plateformes qui le font. La troisième façon de gagner de l'argent, de gagner des crypto-monnaies, c'est de faire ce qu'on appelle du holding. Et c'est très simple, le holding, c'est ce que beaucoup de personnes font et c'est ce que je vous recommande. Si vous avez de l'argent, vous achetez une partie des crypto-monnaies, par exemple le Bitcoin ou bien l'Ethereum ou bien le BNB, d'accord? Et vous stockez ça sur votre portefeuille. C'est-à-dire que vous achetez la crypto-monnaie, mais au lieu de la revendre aussitôt, vous gardez la crypto-monnaie et vous attendez. Lorsque sa valeur augmente, parce que c'est ce que les crypto-monnaies font, leur valeur fluctue, comme je vous l'ai dit au début. Donc, ça augmente et ça peut diminuer. Donc, lorsque la valeur de la crypto-monnaie augmente, en fait, vous allez donc revendre votre crypto-monnaie et gagner donc des bénéfices sur la crypto. Vous pouvez doubler, tripler votre investissement de départ si vous laissez juste votre monnaie sur votre portefeuille. La quatrième façon de gagner donc des crypto-monnaies, c'est de faire ce qu'on appelle du trading des crypto-monnaies. Et beaucoup de personnes aujourd'hui font du trading des crypto-monnaies. Alors déjà, je veux t'inviter, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, prends un instant,
Abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification, ça encourage, ça donne du courage de pouvoir continuer à produire du contenu sur la chaîne. Dis-moi en commentaire si tu aimes bien sûr ce que je suis en train de dire, si tu aimes cette thématique de crypto-monnaie, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Alors ici, tu peux donc faire du trading de crypto-monnaie, comme tu peux le voir. Ça consiste à négocier donc sur les mouvements du cours d'une crypto-monnaie au moyen d'un compte de trading sur du CFD. Donc déjà, pour faire du trading, par exemple, vous pouvez le faire comme je vous en voulais montrer ici sur Binance. Moi, je suis sur Binance. Donc, j'ai mon compte sur Binance, comme vous pouvez le voir. Donc, vous pouvez faire du trading ici, d'accord? Et il vous faut un peu de formation. Nous allons parler de tout ça sur la chaîne dans les semaines à venir. Nous allons beaucoup parler de crypto-monnaie, beaucoup parler de comment il faut gagner de l'argent, beaucoup parler du trading peut-être de crypto-monnaie. Donc, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous pour ne rien rater par la suite. Donc, voilà donc les façons dont vous pouvez gagner de l'argent. Et pour faire du trading, je vous recommande vraiment d'aller prendre une formation parce que si vous ne le faites pas, vous allez vous faire avoir, vous allez perdre votre argent. Comme le trading normal, le trading des crypto-monnaies aussi nécessite donc de formation. Alors, la dernière façon pour pouvoir gagner de l'argent, pour pouvoir gagner des crypto-monnaies, c'est les airdrops. Les airdrops, c'est quoi? C'est les gens qui disent les crypto-monnaies qui lancent gratuitement, qui distribuent gratuitement leurs tokens. Et l'objectif, c'est de permettre à ce que beaucoup de personnes puissent en avoir. Donc, quand on lance un airdrop, il faut que vous participiez si vous voulez gagner les tokens. C'est vraiment important. Bon, c'est vrai qu'il y a de faux, il y a de fausses airdrops qui se lancent de temps en temps, mais les vrais existent et ça vous permet vraiment de gagner des tokens gratuitement de ces monnaies-là. Et ça permet aux propriétaires de ces monnaies-là de permettre à beaucoup de personnes d'avoir la monnaie et que la monnaie puisse prendre plus de valeur. Donc, c'est des façons, c'est des moyens gratuits pour pouvoir gagner des crypto-monnaies. Et j'ai laissé le lien de mon groupe crypto-monnaie en description de cette vidéo pour pouvoir nous rejoindre, pour avoir donc plus de méthodes pour pouvoir gagner des crypto-monnaies, gagner de l'argent. Et bien sûr, toutes ces crypto-monnaies-là, vous pouvez les retirer si vous avez en fait un portefeuille. Donc, il est très facile d'avoir un portefeuille. Il suffit juste d'aller de télécharger par exemple Trust Wallet, Coinbase, Binance. Et puis, vous pouvez donc stocker votre monnaie ou bien la blockchain. Et vous allez donc sécuriser votre crypto-monnaie que vous pourrez donc retirer à tout moment sur votre portable depuis votre pays. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à partager cette vidéo, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Et à me dire en commentaire si tu as vraiment aimé cette vidéo. Donne-moi ton avis, dis-moi ton pays d'où tu viens et dis-moi l'appareil que tu utilises et les vidéos que tu voudrais que je puisse faire sur cette chaîne. Fais-le-moi savoir en commentaire.